Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 12 novembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, retour sur le quintet de la veille qui se disputait mardi sur l'hippodrome de Bordeaux. Canteliva, qui portait le numéro 7, offre un premier quintet plus à Thibaut Le Floch au prix d'un superbe finish. Turf Sélection donne le tiercé dans l'ordre de plus de 180 euros ainsi que le quartet et le quintet plus dans le désordre. 622,50 est le total marqué par main verte lors de ce fameux quintet bordelais. Lors du concours de pronos gratuit du jour, grâce à un quintet plus dans le désordre jouxté des bonnes bases gagnantes et placées, il devance au classement Lapinos 81 et Capucine qui réalisent également de jolies performances. Bravo à tous les trois! Allez, place maintenant au tiercé quartet quintet plus du jour, en l'occurrence celui du 12 novembre, qui retrouve donc la cendrée parisienne en ce jeudi après-midi après quelques escales provinciales. Le prix de Cognac, habituel rendez-vous de début de meeting, verra son départ donné à 13h50 et 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans s'affronter sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Une fois encore, de bonnes bases se détachent avant coup, mais il faudra toutefois élargir ses combinaisons pour espérer toucher le quintet plus. Écho de Champlecy, le numéro 8 a été préparé spécialement pour cette course par Eric Blot. Déféré des antérieurs et piloté par Tony Le Belair, s'il dispose d'un bon parcours à proximité des leaders, il va terminer très vite et certainement remporter cet événement. Bambou Tahiti, le numéro 9, n'est pas forcément envisagé en jeu simple gagnant. En revanche, ce pensionnaire de Mathieu Mottier, désormais âgé de 9 ans, est une base incontournable avant coup et ne devrait pas terminer plus loin que 5e. Desperado, le numéro 13, reste sur toute une pléiade de mauvais résultats. Déféré des 4 pieds et avec l'aide d'Alexandre Abrivard, il doit remettre les compteurs à zéro aujourd'hui. Élude Dompierre, le numéro 10, cheval courageux et régulier dans l'ensemble, partira avec la confiance de son pilote, David Thomas. Degana Ouida, le numéro 11, n'est pas tout simple, mais lorsqu'il est bien luné, lui qui s'entend bien avec Gabriele Gellormini est capable de réaliser de grandes performances. Douxor de Guèze, le numéro 16, associé pour la circonstance à Christophe Martens, va tenter de prouver qu'il n'est pas le plus riche de la course sans raison. En cas de non partant, Comte des Titels, le numéro 6, qui monte de catégorie avec ambition, entrera alors dans la danse. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.